Un peu plus d'un an après le lancement d'Ici tout commence, Clément Rémien, l'interprète de Maxime Delcourt, annonce son départ de la série. Coup de théâtre à l'Institut Auguste Armand. Après 4 années passées dans la peau de Maxime Delcourt, d'abord dans Demain nous appartient puis dans Ici tout commence, Clément Rémien a pris la décision de quitter la quotidienne à succès de TF1. C'est dans une interview accordée à La Voix du Nord que l'acteur a annoncé son départ. J'ai décidé d'arrêter. Je suis très content de tout ce qui s'est passé mais c'est le rush tout le temps, on n'arrête pas de bosser. Et j'ai besoin de voir autre chose. Et de préciser à propos de ce choix, ce n'est pas de la lassitude. C'est juste que j'avais un objectif, une envie, en arrivant sur ITC, c'était de fidéliser, de pouvoir me dire c'est bon, tous les soirs ça marche. Aujourd'hui c'est le cas, et pour moi, c'est le temps du repos. Ça fait 4 ans que je travaille, j'ai enchaîné pas mal de choses, j'en suis très fier, mais c'est le temps du changement de vie. Une page se tourne donc pour le comédien mais également pour Maxime et Salomé, Aurélie Ponce, le couple phare de la série. En effet, Clément Rémien a indiqué à nos confrères, Maxime et Salomé ont vécu un an de relation, mais ça s'arrête définitivement. Ils continuent de s'apprécier, ils le méritent. Mais la suite se fera l'un sans l'autre. Le départ de son personnage devrait avoir lieu d'ici quelques semaines, le temps pour lui de tourner ses toutes dernières scènes. Je ne vous dirai pas ce qu'il va se passer, mais je peux dire que ça a un rapport avec l'arrivée de Michel Saran, a-t-il confié à nos confrères. Contacté par nos soins, la chaîne a par ailleurs confirmé que Clément Rémien devrait rejoindre Demain nous appartient à la suite à son départ d'ici tout commence. S'il ne s'agit pas d'un retour définitif dans la série, il sera en revanche au cœur d'une grande arche qui n'a pas encore été tournée et qui devrait être diffusée en janvier-février 2022. De quoi laisser la porte ouverte à un futur pour Maxime Delcourt entre Sète et Calvière. The man I love just has